te faire remarquer de la mauvaise manière. Et quand on t'oublie, tu es revenu. Mais tu reviens tellement mal que nous, on t'a morti. Si tu es malin. Motion. Je vais te dire un truc. Grand frère Yaka, est-ce que tu sais que c'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre que. La manière dont. Hier, il était dans le live de live de Aya. Tu sais, moi, quand tu es dans le live, il y a un coup pour aller haut. Quand on dit Yaka est quelque part, je suis là-bas. Tu disais un truc dans le live de Aya. Non, Marie, là, c'est pour ça que tu as coupé mon live. Mon élan. Oui, il y a un peu de temps pour parler. Moi, il n'aime pas que tu concentres quand je me coupe là. Tu as coupé mes mots. Il a dit motion, non. Marie, là. Marie, là, c'est pas motion. Tu as dit motion, t'as entendu ton œil de parole. Il faut attendre. Laisse Santi finir. Santi, il faut finir, pardon. Il faut finir. Quand quelqu'un est en train d'allumer la télé bien comme ça, il faut lui laisser la télécommande. Mon rythme, tu as cassé mon inspiration. Allez, me laisser y aller au bout de mes idées. Santi, pardon, je t'envoie un cadeau tout à l'heure. Il faut parler, chérie Coco. Ah. Donc, comme j'étais de distance, mon grand frère. Donc, quand tu vois ce coq-là, ce coq qui était rejeté en sacrifice au Bénin, il faut comprendre. Sa vie est fade, comme le tapioca. Sa vie est compliquée, comme accouchement d'un enfant qui a fait 12 mois dans le ventre de sa mère. Donc, il faut le comprendre. Quelqu'un même, lui-même, moi-même, il y a les audios. C'est parce qu'il a perdu mon téléphone. Sa propre même affaire vocale. C'est parce que moi, je n'aime pas trop ces gens de choses, venir exposer les mamans et tout. Donc, l'homme comme ça, là, c'est lui comme ça, là, que vous discutez avec lui. Je t'ai dit. Quelqu'un même que ses parents, même ça, même il est dans quelle position. Ta maman t'a fait vocal pour dire quoi? Autant où il y avait le discours de lui et puis l'autre là, où on l'avait renié là. Il y avait une de ses tantes qui m'avait contacté par rapport à sa maman et tout. Sa maman m'avait dit que lui là, il est comme ça. Même eux-mêmes, ils ne m'ont pas les colis là. Donc, il est peut-être parti menacer sa maman pour dire que sa maman voulait venir témoigner. Donc, il allait menacer sa maman pour dire que sa maman va venir sur mon panel ce jour là. On va le traiter. Donc, sa tante m'avait appelé. Bah, il ne nous connaît pas où. C'est le roi là, c'est dans sa famille. Toi, t'es parti, on dirait père de Marc de Sérédier là. C'est toi qui as venu fatiguer notre cerveau et te connerie. Toi, tu avais dit que telle personne est oubi, telle personne n'est pas oubi. C'est tes fesses. Tes fesses qui sont carrées, on dirait un enfant de maternelle qui est en train d'apprendre à faire rond et le compas. C'est toi qui as venu fatiguer les gens, les équerres. Toi, tu as venu fatiguer les gens. Moi, un imbécile comme ça, quelqu'un meurt, on est en train de pleurer. Notre cœur nous fait. Mais toi-même, si tu dis aujourd'hui, même les chiots ne vont pas pleurer. Parce que toi-même, tu n'as rien servi. On ne sait même pas, tu nous as apporté quoi. Ce n'est que seulement que des conneries, seulement que nous foutent le bordel. C'est toi qui allais filmer la Côte d'Ivoire, la partie qui t'arrangeait. Tu es venu mettre tes narines, on dirait fusée là. Tu es venu déposer ici pour dire que voici la Côte d'Ivoire que vous parlez de ça. Faut pas nous énerver. Si on te regarde, c'est pas parce qu'on n'a pas envie de parler. C'est parce que tu ne sais à rien. C'est clair. Artistiquement parlant, même le talent même te refuse. Même le Burinda me refuse même de signer caché à toi. Tu as compris? Même les bébés sans os qui sont sortis à la maison, essayer de faire un peu cascade sur les tapis rouges. Toi-même, zéro tapis rouge. Aucune utilité. Toujours en train de nous foutre le bordel. C'est quoi ça? C'est vraiment. Tu as tes problèmes. Tu es en train de foutre le bordel, tu as. Tes épaulettes qui sont concentrées sur on dirait les anciens pantalons de Tchala Monana, il y a quoi? Camisole de Whitney Houston là. C'est quoi? Hein? Avec un paquet carré. On dirait ta basse est bloquée dans sa mâchoire. Hein? Ta basse d'hôtel. Un malade mental comme lui. Chien. Tes paquets, on dirait tige qu'on prend pour faire test de COVID-18 là, il y a quoi? Faut nous laisser, on va respirer. Il arrive toujours par terre. Quand tu le vois, tu le cherches en haut là-bas, il est par terre. On dirait un nez de jardin. Sa taille, on dirait des Lido là. C'est quoi? Faut laisser le jeune en paix. Les parents sont attristés. L'aide les fait mal, il vient de perdre. Lui, là, c'est le pilier de sa famille. Comme toi, tu es inutile dans ta famille, tu ne sers à rien. Là. On va prendre ton cas pour une généralité. Hein. Lui, là, c'est le pilier de ses parents qui vient de partir. Donc, son papa et sa maman sont finis comme ça. Toi seul, tu ne vaux même pas un seul enfant dans ta famille. Lui là. Toi, tu dis un seul enfant, même les adopter, même il ne vaut pas. Lui là, il vaut même plus. Toi, tu ne vaux même pas un nain dans ta famille. Et il a compté de lui. Tu as venu parler de Wubi. Il y a moins un chien vert comme ça. Si toi-même, tu étais Wubi, dis Dieu merci. Quel des résidus comme ça. On t'a vu, tu allais laper dans Marine ici. Pourquoi on parle de toi 2 minutes, mais personne ne t'a calculé. Quand vous regardez là, vous pensez que vous êtes bête. Qui est moi ce salopard là? Tu allais me croiser maintenant. Tu me connais non? Ta musique frélatée là. Même si c'est des gratuits dans les rues d'Abobo, on ne va pas prendre. Pour la dépouille des gens, c'est qu'elle manque de respect. Même pas de respect. L'enfant a souffert jusqu'à. Il allait se coucher à l'hôpital pour mourir là. Faut respecter ça. Ou bien c'est comment? On doit tout expliquer quoi? Carrément. Chien galeux là. C'est pas qui ton direct cadenas de la maca là. Toi, tu vas retourner à la maca. En tout cas, tu vas retourner à la maca. Il n'a qu'à regarder seulement. Ton ventre, on dirait, c'est toi qui prends l'échantillon de chapalot pour dire aux femmes là si c'est cuit là. Toi, tu as retourné à la maca, faut te calmer. Toi, mais tu ressembles à un gangster.
Celui qui goûte un bandit, si c'est fermenté ou pas. Regarde-moi cette andouille, ce fripouille là. Ou dis si c'est fermenté. Salopard. Tu vas venir parler de quelqu'un que ses parents pleurent. Idiot. Je suis déjà dans le garage. Gangrion. En train de me taper. Salopard. Ok. D'accord, il me mute. Oui, madame, allez-y. Cette espèce de sapac là, laissez-le. Avec ses problèmes. Ses yeux sur son front. En fait, bonjour à tout le monde. Bonjour Yaka. Bonjour. Ce matin-là, vraiment, il y a crédit de Bérec qui est resté dans ma gorge. Quand il a commencé, tellement les gens étaient déjà énervés, ils ont coupé le live. Je me suis réveillé, je scrollais un peu sur mon téléphone et puis je vois qu'il y a un Mimi ou Mini-Mini ou bien Mimi-Mimi, je ne sais pas quoi, qui est en train de dire que lui, il a rêvé. Il a rêvé de quoi, je ne sais pas. So, ça, c'est qui ça? Qu'il allait réveiller nos soldats, nos vrais soldats. Quand il y a problème, on les fait sortir. Là. Nous, nos fétiches, on ne les fait pas sortir pour rien. Là. Allez les réveiller pour venir les rassembler. Venir lui s'asseoir pour dire que lui il a rêvé, qu'il avait déjà dit à Dan qu'il faut te confesser ou bien je ne sais pas quoi, que si on fait quelque chose, ça revient toujours sur lui. C'est à lui-même que je voulais parler. Mais il ne savait pas que tu étais. Moi, il fallait rester pour ça, mais il ne savait pas que tu n'étais pas au courant. Donc, Aya va t'informer. Aya va t'informer. Aya va t'informer parce que moi, je suis tombé dedans comme ça. Il dit qu'il a rêvé qu'il en a parlé à Dan, qu'il a même dit à Dan de prier, des trucs comme ça. Quand les gens, quand vous partez consulter vos marabouts qui sont seuls dans leur tête, quand vous partez consulter vos affaires et puis vous venez vous placer pour dire que vous avez rêvé, là, vous n'allez pas arrêter. Je voulais te dire ça net là. La personne était tellement déjà énervée, elle a coupé son live. Attends, s'il te plaît, yo, il n'est pas bien entendu. Tu dis qui dit que quoi? J'ai dit Mimi, je ne connais pas son nom. Il ah, Mimi, Mimi, non, oui, lui qui m'a perdu là, oui, que quoi? Voilà, Mimi, voilà. Mimi, ou bien je ne sais pas quoi là. Que lui, il a rêvé, il allait réveiller nos soldats, hein. Il a réveillé, Aya dormait, il a réveillé, Aya le croyait en vous. Ça dit que nos vrais soldats, quand on les fait sortir, c'est que c'est gâté au pays là. Là, il est prêt à venir les rassembler pour venir s'asseoir pour raconter que lui, il avait rêvé. Et il avait fait part de ça à Dan Marcel, et il avait dit à Dan Marcel, il faut prier, que Dan Marcel disait que tout ce qu'on fait à son frère Chris, ça, à lui, ça revient. Mais ça, je voulais monter pour lui dire que quand vous partez faire vos bêtises, ça dit que vous partez vous asseoir dans vos quatre murs, dans vos quatre coins, pour raconter vos merdes, vos vies qui ne fleurissent pas, à, comment on appelle, à vos marabouts, bien quoi, vous venez vous asseoir maintenant pour vous dire que vous avez rêvé, là, vos rêves, là, gardez. Aya lui a dit, mais toi, quand tu rêves, c'est-à-dire qu'on doit se méfier, on doit vraiment, quand tu rêves, là, mon frère Mini Mini, il faut garder ça pour toi. Nous, on n'a rien à foutre. Actuellement, là, nous, on pleure notre petit. On pleure notre chouchou. Donc, il ne faut pas venir nous emmerder avec tes histoires de rêves. Et puis, d'ailleurs, même Chris doit se méfier de ce petit-là. Comment il s'appelle? Mimi, Mimi, là. Chris doit se méfier de lui parce que c'est un mauvais ami. C'est un mauvais ami. C'est quel ami? Quand ton ami meurt, tu viens ouvrir votre téléphone pour faire sortir vos inbox, pour mettre ça ici pour montrer aux gens. Tu viens faire écouter ses voices. Tu es un mauvais ami, Mimi, Mimi. Mimi, Mimi, tu es mauvais. Chris doit se méfier de toi parce qu'aujourd'hui, c'est tout de Marcel. On ne sait jamais ce que tu réserves à Chris. Quand toi tu rêves là, c'est pas bon. Donc du coup, on doit se méfier de toi. Hein? Tu as eu la chance. Si je t'avais vu sur le panel là aujourd'hui là, tu vas plus jamais faire rêve encore. Même si le rêve vient, tu vas bloquer. Tu vas même poser un télécommande comme si c'était à la télévision. Tu n'allais plus jamais rêver. Quand vous partez vous asseoir chez vos fétichos, bien vos quoi là, vous faites vos bêtises et puis tu viens mentir ici. Hein? C'est quel rêve tu as fait? Tu n'as pas fait de rêve. Tu allais consulter. Tu allais consulter, tu n'as pas fait de rêve. Quand vous finissez de consulter, vous venez mentir pour dire qu'on a fait rêve, on a fait rêve. Vos rêves là, gardez ça pour vous. Hein. Si vous devez rêver, puis les gens vont mourir, gardez. Gardez, prenez la télécommande de vos rêves, mettez dans vos petits pieds, gardez bien. Quand ça commence là, vous voyez l'image de nos hommes publics là, mettez pause. Ou bien balayez ça et puis ça peut passer à autre chose. N'importe quoi. Que j'ai rêvé, j'ai rêvé. On t'attend prochainement. Allume ta caméra encore pour rêver sur quelqu'un ici. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Espèce de faux type, faux ami que tu sois, tu n'as pas honte. Quelqu'un qui a décidé, tu viens sortir vos e-box. Quand il était là, pourquoi tu n'as pas parti dire ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça bon prix pour lui pour que ça passe? Faut pas m'énerver, hein. Tu as eu la chance que tu n'aies pas les injures faciles. Sinon, tu allais voir ce qu'il a été fait aujourd'hui. Go, bébé, percé. Revenons maintenant à comment il s'appelle le monsieur là, il s'appelle comment? Le gars qui fait. Le gars qui punch, on dirait, il charge Baka, Coco Baka pour vendre le matin. Bab rempli de créer la Bab là, tourner, du. J'imagine, tu sais, en bas. Si sont en haut, du, voilà, entre les jambes où on voit pas qu'il se frotte. Ça va devenir un direct toffee, serré dedans. On peut faire ça. Tu t'assois quand tu as bu ou bien, c'est pas quoi, tu as mangé, tu es rassasié, tu sors, tu ouvres net, rien de bon ne sort. Quand tu veux l'ouvrir, au moins fais attention à ce que tu vas faire sortir. Tu n'es pas n'importe qui d'après toi-même. Dans ta tête, là, tu es star. Hein? Dans ta tête, tu es star. Donc respecte la star que toi-même tu as mis dans ta tête. Respecte ce que toi-même tu te dis avant de venir sortir là. Hein? Quand tu veux l'ouvrir, il faut réfléchir. On ne l'ouvre pas parce que tout le monde l'ouvre. Hein? On ne l'ouvre pas parce que tout le monde l'ouvre. Donc s'il te plaît, prochainement, tes prochaines sorties là, s'il te plaît, fais attention à ce que tu dois dire. Il faut réfléchir. C'est mieux que tu rêves à ça avant de venir dire. Quand tu rêves là, tu as ta télécommande, mais tu zap, ce qui est bon là, tu prends et puis tu viens dire. Ce qui n'est pas bon là, tu zap. Tu as compris, prochainement, il faut faire ça. Maintenant, en ce qui concerne la famille de Damas, c'est vraiment Yako à nous tous. Comprenez, comprenez-nous.
on a mal, et quand on a mal, on veut se dégager, on veut parler pour essayer d'évacuer aussi. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle. C'est pas parce que on veut ceci, non, on veut pas polémiquer sur notre frère, non, on veut pas. Mais quand même, de toute façon, vous avez mal là, imaginez nous. Combien de fois aussi, nous aussi, on a mal. Nous qui l'avons côtoyé, qui l'avons connu, qui avons ri de ces humours. Hein, comprenez-nous. Donc, s'il vous plaît, vraiment, quand on nous dit que la famille ne nous doit rien, moi, je dis non. Leur fils était notre star. Nous étions ses abonnés. Nous avons une communauté. Il a sa communauté que nous faisons partie. Vous voyez, et du jour au lendemain, on nous dit qu'il est décédé. D'autant plus qu'il était malade. On ne sait même pas si c'est vrai ou bien c'est faux parce qu'ils ne nous ont rien dit. Donc, quand même, on ne demande pas les détails à fin fond, mais qu'ils sortent et qu'ils nous disent quelque chose. Oui, votre frère était malade, votre star était malade, effectivement. Hein? Remettons à Dieu tout ce que Dieu fait, bon, tout et tout. En tout cas, qu'ils viennent nous soulager. Voilà, qu'ils viennent. On cherche à les soulager eux aussi, mais mutuellement, on peut se consoler. Voilà, mutuellement, ils peuvent nous consoler, nous aussi, on peut les consoler. Donc, du coup, vraiment, on demande pardon à la famille. Au moins, ils n'ont qu'à déléguer quelqu'un pour nous dire quelque chose. Même officiellement, ils ne nous ont pas annoncé le décès. Bon, je ne dirais pas que c'est un manque de respect à sa communauté ou bien un manque de respect à ses femmes, tout et tout ça, je ne le dirais pas parce que c'est trop tôt. Mais quand même, la logique voudrait bien qu'ils nous disent quelque chose. Ah, vraiment, le petit, il a souffert, il a eu ci, il a eu ça. Vraiment, tout ça, on ne veut pas quoi, mais c'est ce qui est là, c'est ce qui est la vérité. Pour essayer de nous soulager, vous voyez. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, moi, hier, je parlais comme ça avec une amie au téléphone. Je lui ai dit, tu sais que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'arrive pas à réaliser que le petit est parti. Moi. Elle dit, c'est la vérité, c'est la triste réalité. Hein? Donc, vraiment, moi, je pense que la famille doit quand même nous respecter. C'est vrai, ça fait mal. La famille doit quand même nous dire quelque chose. Ils doivent nous dire quelque chose. C'est vrai, le petit était malade. Il était malade de ceci, il était malade de cela. Et ça va tous nous apaiser, ça va tous calmer. Vous voyez comment les tensions sont tirées là. C'est parce que les gens n'arrivent pas à accepter. En fait. Les gens n'arrivent pas à accepter. Donc, si vous sortez et que vous dites quelque chose venant de la famille, je pense que ça va apaiser les cœurs. Oh. Vous voyez, je pense que ça va apaiser les cœurs. Même le petit qui est sorti là, le petit sapin qui est sorti là, avec ses loups fesses, vous venez nous dire qu'il a rêvé là. Hein? Je pense que lui aussi, il a mal. C'est la douleur qui fait qu'il vient sortir là une box. Il vient sortir les voix de Marcel et lui. Hein? C'est la douleur qui fait ça. Donc, si la famille sort, je pense que ça va calmer tout le monde. Si la famille nous dit quelque chose, si vous n'êtes pas obligé, franchement, actuellement, vous avez mal, vous n'êtes pas obligé. Même si vous voulez même apprendre les finis de la famille, celui-là même qui n'est pas considéré, qui ne vaut rien là, il n'a pas venu nous dire vraiment, effectivement, voilà. Vous allez voir, ça va éteindre tout ça et tout va se calmer. Hein? Tout va se calmer. Imaginez-moi, mère de famille, là, je saute de mon lit, comme si je suis inconscient, je me suis assise dans la voiture en train de venir parler de du petit là. Tellement que ça chauffe les cœurs. Hein? Donc, comprenons-nous, soulageons-nous mutuellement. Soulagez-nous, nous aussi, on va vous soulager. Parce que quand on sera soulagé, on ne va plus en parler. Chacun va faire son deuil de son côté. On va juste jouer les moments inoubliables qu'on a eu avec lui, tout et tout. Et puis, on passe à autre chose, je pense. Hein? Ça ne peut pas rester comme ça, d'autant plus que les gens nous parlent de poison, on nous parle de. Donc, du coup, on est dans le doute, on ne sait pas. Hein? Donc, Yaka, c'est ce que je voulais dire. Ok. C'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci. Merci. Je vais aller m'occuper de mes éléments là. Il va aller à l'école. Donc, merci vraiment. Merci. Et puis, à plus. Je vais céder ma place à quelqu'un d'autre. Merci. Ok, merci beaucoup. Yo. Yedio, l'artiste le plus perdu de la Côte d'Ivoire, c'est pas qui ton appel, hein, je vais remonter. Il est où même? Okay, à tout à l'heure. Bah, c'est lui, ma cible même. C'est à cause de lui, mais si monté ici. Ce tambouille. Santi, s'il te plaît, on va laisser d'autres personnes parler, puisqu'il y a longtemps qu'ils sont là depuis. Tu vois, non. Toi, ton modératrice, tu vas vite quitter. Hein. Toi, on t'a pas donné les lois de TikTok. Non, ça n'a rien à voir avec les lois de TikTok. On t'a pas dit que ici, là, c'est nous d'abord. Toi, tu sais passer toutes les panels. Toi, tu n'es pas au courant. Santi, vas-y. Y'a toi, il y a longtemps, tu as jeté ton corps dans ton modératrice. Là, ta place de chose. Hein. Marie-Laure, faites attention. Tu as mal commencé ton métier. Hein. Marie-Laure, elle est même chose. On dit que toutes les Marie-Laure sont pareilles. Marie-Laure. Oh. Marie-Lou. On t'envoie même pour aller payer pain. Elle veut venir le boutiquier, le boulanger à la maison. Le vendeur de pain même à la maison. Grand-frère, c'est pas parce que c'est senti, c'est pas ce que tu m'as appris. Sur tous les panels, il faut demander. Maman, attends, t'es dit, on rigole, mais attends, t'es dit, grand-frère, il y a quand même là. Écoute, il y a une page sur le panel, elle est plus. C'est sur tous les panels, hein, peut-être que tu es nouvelle. Tous les panels, c'est comme ça. On je sais, je te connais, je suis déjà monté, mais sur tes panels. Non, merci de laisser senti pour toi. Ok, il a compris. Sinon, c'est lui-même là. Il va me recommander pour que tu fasses ton travail. Reste en bas pour faire ton travail. Parce que Eben, là, il ne monte pas ici pour faire ton travail. Reste en bas. Eben, là, elle est en bas. On dirait toi-même, tu es une admin qui cherche un peu de vue. Hein. Non, c'est comment? Elle c'est nous réclamons. Je vais enlever son. Je vais l'enlever parmi les admins. Parce que elle ne fait pas bien son travail. Voilà, combien de temps de 10 ans? Les mauvais commentaires, tu as dit en haut pour interrompre les gens à parler. C'est pas du tout mon tout ça. Tu as dit ça où? Donc. On continue le renchérissement, mon grand frère. Vas-y. Donc, ce salopard-là, qui s'est dit artiste, là, artiste périmé à deux balles, là, faut te calmer, faut te maîtriser. Mieux tu te débrouilles avec ta guitare, tes pianos derrière la cour. Parce que si tu veux quitter derrière la cour pour venir devant la cour, là, tu ne vas même pas t'arranger.
Ça va même pas t'arranger. Donc toi, tu es très mal placé pour parler de la sexualité des gens. Ton conseil à la con que tu t'en fais là, ceux qui ont payé les tickets là, tu connais la sexualité. Tu connais la sexualité de ceux qui seront là-bas. Donc si on veut regarder ça là, toi, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas te dit bonjour. Là, parce que d'autres affichent pour eux, d'autres cachent pour eux, que vous allez venir manquer de respect à quelqu'un, une dépouille, quelqu'un qui est mort, ses parents sont en pleurs, ils ont la douleur de l'enfant. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Toi, tu as quitté là-bas, et tes narines ont des éventails de femmes belles là, venir fatiguer le cerveau des gens. Pourquoi tu es bête comme ça même? Pourquoi les gens qui sont cool là, tu es bête comme ça? Ta taille, on dirait mamie des fétiches congolais là. Pourquoi tu es bête comme ça? Tu donnes toi ton intelligence là, ça n'a pas d'infraction quoi. Tu ne peux même pas faire exprès, tu ne peux pas faire semblant d'être intelligent une seconde. Donc la bêtité là, c'est un sort à lancer. Combien tu as têté ça? Donc chaque jour, toi, tu es bête. Matin, tu es bête. À midi, tu es bête. Le soir, tu es bête. Donc il n'y a même pas une minute où tu es un peu intelligent. Pourquoi on dit, ah, aujourd'hui, au moins, l'intelligence a pris le relais. Donc toi, tu es né pour être bête, quoi. Toi, tu es la bêtité incarnée. On peut être bête comme ça. Et t'es parti ton vrai soulier de préfet, là. Tu es quel genre de personne? Hein? Tu es cambré sur toi comme ça, on dirait que quelqu'un qui bosse a raté 50 fois, on a essayé de te soigner. Il y a quoi? Quand il y a un petit truc, on est de la boucler, tu viens déjà ta gueule, on dirait pour caïman, là, pour venir aboyer ta boue qui sent, pour fatiguer le cerveau des gens. Moi, toi, tu me connais où? Tu me connais? Ta musique qui est périmée, on dirait Djokwadjo, là, tu me connais? Une musique de la préhistoire. Une musique même, ça la même, même dans toi qui peut t'inviter dans sa cérémonie pour venir faire spectacle. Si ce n'est pas ceux qui divorcent ou bien ceux qui. Là même, peut-être qu'on allait avoir pitié dans Dame Marcel, tu allais venir un peu mettre cracher ce micro, ton gueule, l'odeur, la lèvre, nous fatiguer sous la bâche. C'est toi qui as venu rester là pour parler de sexualité des gens au quotidien, toujours en train de rabaisser les gens, c'est quoi? Comme si quelqu'un lui a demandé quelque chose. André, on a demandé ton avis, ni ton. On t'a demandé quelque chose. Ta présence comme ton absence en Côte d'Ivoire est égale à zéro. Mais je ne sais même pas ton utilité, ça part d'où et ça s'arrête à où? En train de fatiguer le cerveau des gens. De nulle part, nulle part. Tu peux pas aller t'entraîner pour ton concert bracata deux balles que tu as fait là. Les gens ont pitié de toi, on essaye un peu de te regarder un peu là encore. Là, tu vas venir me pousser sur toi. Tu as arrêté de te promener pour déranger le monde. Faut pas énerver les gens. C'est qui cherche à lui donner ça, toi? Faut pas énerver les gens. Tes narines, on dirait nouveau pont là. Faut pas énerver les gens. Regardez-moi cet idiot là. Faut sortir encore venir parler de Dan Marcel. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre qu'il y a Ivoirien, puis il y a Ivoirien. Dan Marcel, elle a soulevé le drapeau de la Côte d'Ivoire. Toi, tu nous as amené où? C'est clair. Tu nous as amené où? Même au Bénin, tout près là, on ne t'a jamais invité. Même dans les Koutougoudrom, on ne t'a jamais invité. Même dans les anciens baptêmes, c'est-à-dire que les rébaptisés, on ne t'a jamais invité. Même à la colonie chinoise, on ne t'a jamais invité. Il y a quoi? Tu es papier comme ça, on dirait diarrhée. Mais toi, tu es 7 mois et demi. Tu es 7 mois et demi. Non, mais sérieux, quoi? Arrête un peu. Tu es tatoué en dirait l'île où elle son échantillon. Regardez-moi un rescapé comme ça. C'est vous là qui, en 2002, là même, on devait te mettre quelque part là-bas. Idiot que tu es. Idiot, faut dire. Salopard, sauvage, gangrion, frélaté. Toi, tu es un garçon, tu n'as même pas pu attraper même celle même que les hommes ont fui, mais maintenant, comme elle a fait un peu de chirurgie, on l'a rattrapé. Tu n'as même pas pu attraper ça. Tu vas venir nous fatiguer le cerveau. Il voilà. Faut aller t'asseoir à la droite de Satan pour aller signer ceux qui vont aller en enfer au lieu de nous fatiguer. Hein? Idiot. Donc c'était ça. Mon grand frère, t'a laissé un message. Hein? Pardon, faut me répondre sur ton WhatsApp. Okay. Ouais, non, ouais. LGBT, faut continuer. Pardon, je suis montée pour toi. Pardon, il est fini. Non, je vais finir quoi. Non, les Ivoiriens, je vous aime trop. Je vous aime trop, les Ivoiriens. C'est un truc de fou. Bonjour, monsieur Yaka. Je vous aime quand on s'insulte, quoi. C'est ça, non? T'as vu la sorcellerie dans ton amour? On peut aimer quelqu'un comme ça, amour de Gougnon. Non, mais je suis trop love des Ivoiriens. Non, 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 non. Ça va, monsieur Yaka? Ça va et vous-même? Ouais, ça va, merci. C'est juste pour te faire un coucou et demander à LGBT de continuer. J'adore! Gros bisous tout le monde, je descends. La dame. C'est vous qui encouragez les gens à faire clash, et puis clash finit jamais sur la toile. Là. On va continuer, tu adores. C'est pas toi. Inès. Oui, bonjour. Mmh. Grand frère Yaka, bonjour tout le monde. Bonjour. Team LGBT, franchement, tu as fait fort. Yeah, je finis pas de rire. En fait, Marcel, franchement, son décès, ça fait tellement mal. C'est-à-dire que tu as là et puis un coup, ça te pique. Oui, attends. Donc, Marcel est décédé. Parce que c'est l'un des artistes qui n'a jamais eu de bad buzz.
C'est-à-dire que depuis Marcel et Marcel, dans Marcel, on l'a jamais vu dans les faux trucs. C'est-à-dire, il nous a fait rire jusqu'à ce qu'il décède. Donc, ça fait mal que un son technique comme Tiesco, qui n'a pas de vie, qui n'a rien, vienne s'en prendre à lui, en fait. Tiesco, normalement, on doit même pas le calculer. Parce que même Feu Arafat, qui clashait même les bébés, c'est-à-dire que tu viens de naître, hein, Arafat te clash. Il n'a jamais donné l'heure à Tiesco. Il a tout fait. Arafat ne lui a jamais répondu. Donc, ça, on doit comprendre qu'il n'est personne, il n'est rien, en fait. Concernant l'autopsie, sa famille et tout, moi, je suis d'accord. Moi, je veux franchement que la famille nous dise quelque chose. Parce que là on ne sait pas. Marcel, là, ça, il n'appartient pas qu'à sa famille, il appartient à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la détresse, on ne comprend rien de ce qui s'est passé. Donc, il faudrait qu'au moins qu'il soit, qu'il nous dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait et tout. On a besoin de savoir quelque chose pour être rassuré. Parce que cette histoire d'empoisonnement, là, ça empoisonne la vie à tout le monde, à ses amis avec qui il était à l'anniversaire et tout. Des gens vont jusqu'à accuser même son meilleur ami. C'est pas bien, c'est pas cool. Donc, il faudrait que la famille sorte pour nous dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. C'est quoi? Tu as descendu? Vas-y, Inès. Oui, c'est tout ce que je voulais dire, grand frère. D'accord, merci. Merci à vous. N'écris de gens, quelque chose. Bonjour, Yaka. Bonjour, tout le monde. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, ils doivent faire l'autopsie. C'est très important. Il faut qu'on soit situé parce que Marcel, c'est pas pour eux. Mais bon, je pense que pour le moment, là, ils doivent être sous le choc comme nous tous. Okay. Donc, on va leur donner un peu de temps pour voir ce qu'ils savent nous donner. Comme ils sont encore sous le choc. Un peu de temps, là, si on se lève un matin, puis on doit l'enterrer. Non, ils ne vont pas faire ça. Parce que s'ils font ça, on va marcher pour aller chez eux. Ah, parce que ils l'ont caché quand ils étaient malades. Là. Oui, c'est pas normal. Oui, ils l'ont caché. Donc, tu sais, c'est un Yakuba, non? Je ne sais pas, hein. Je sais pas de si c'est un Yakuba, là, les Yakuba, là, ils font son scénario. Nos alliés, les Yakuba, ils ne sont pas bons. On nous dit pourquoi ils l'ont caché. Ils ne peuvent pas faire ça. S'ils font ça, là, même ils savent ce qui va leur arriver. Ça, ils ne peuvent pas l'enterrer sans nous dire. Voilà. Il faut qu'on fasse l'autopsie. Il faut qu'on nous situe. Parce que hier, j'ai vu une vidéo. Il y a un monsieur qui disait qu'il y a la fille d'un pasteur qui a fait un poste pour dire bon retour à l'envoyeur. Et que son binôme, là, il n'a qu'à vivre en paix. Il n'a qu'à enjoy sa vie. Ah, voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais si elle a été interprétée, c'est bien. Donc, elle a fait quelque chose. Elle va nous dire. Voilà. Elle va nous dire. Quand à Tiesco, la seule chose que j'ai dit à Tiesco, c'est que la hache qu'on prend pour creuser la tombe, là, Marcel ne va pas partir avec. Ça va rester. Voilà. Là, je comprends pour creuser la tombe, là. Il est là. Donc, nous-mêmes, là, nous, il va être creusé. Il ne sait pas quand. On ne se réjouit jamais de la mort de quelqu'un, quel que soit ce qu'il est. Il ne faut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un. C'est inhumain. C'est inhumain, c'est pas bon. C'est très mauvais ce qu'il a fait. Le plus bon. Quand Dieu n'est pas avec toi, c'est comme ça. Oh, oui, Mariam Kamate. Oui, bonjour grand Fayaka. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ton live. Et vraiment, le grand Tiesco, vraiment, tu nous as déçus. Là, on essayait même de faire quelque chose pour tes conseils, mais tu as tout gâté, en fait. Ça fait vraiment mal ce que tu as dit là. Je me rappelle en 2000 combien toi, ta soeur s'est arrêtée sur les réseaux sociaux pour crier, pour dire « Ah, Tiesco, ne me donne pas l'argent, tu es parti, tu as fait une scène. » Et ça, le gars, il est décédé. Tu n'as pas pensé à sa famille, tu n'as pas pensé à ses amis. Si hier, les gens qui ont regardé l'émission de Kevin et tout ça là, on a vu comment ça les a détruits. Il y a ses amis qui l'étaient codés, même José même, on a vu comment ça fait mal. Même nous-mêmes qui ne le connaissions pas. Moi-même, je me dis, est-ce qu'il est décédé? Je m'en regardais ses vidéos, je me dis, mais le gars, il parlait, c'est comme pour, le grand frère Bob Lee, il est parti. Tu t'en regardais ses anciennes vidéos, tu te dis, il est parti. Et tu oublies même que Dieu est là en fait. Tu oublies toutes tes prières que tu fais. Souvent, tellement que c'est choquant, tu te laisses tomber, je ne sais pas. Toi, tu n'as pas pensé à ça. Tu viens dire, mon frère, tu es en train de chercher cette manière comme nous ici, mais tu n'arrives pas à voir depuis combien d'années.
Il faut laisser. Si tu n'arrives pas à voir là, dépose. C'est pas grave. Parce que c'est pas tout le monde qui est né pour devenir star. Voilà. Donc, ne cherche pas belle sur ce truc-là, en fait. C'est un mot. Il est parti. On ne va plus jamais le voir. On ne va plus jamais voir ce qu'il était qu'il fait. Qu'il soit quoi, qu'il soit déton, c'est enfant de quelqu'un. Aujourd'hui, là, quand on arrête de juger les gens, tu es ceci, tu es cela, tu es déton, tu es mouvement. On laisse tout ça là. C'est que si c'est un enfant, c'est enfant de quelqu'un, c'est ami de quelqu'un. À un moment donné, quand on arrête de juger les gens comme ça, quand il y a un problème, quand ils font un problème dans le pays, on essaie de marcher, ça s'arrête là. Mais ne jugez plus les gens. Laissez les gens comme ça. Ils vivent leur vie comme ils entendent. Laissez les gens vivre leur vie. C'est enfant de quelqu'un. Les parents sont là-bas. Et mais pour aider à leurs enfants, si tu es ça, il faut arrêter. S'ils ne les ont pas écoutés, c'est nous qui vont écouter. Où il est derrière moi là? Pourquoi venir s'asseoir sur les autres? Où il était là? Pourquoi tu parlais pas de ça? Marcel, là, quand tu écrivais, même si tu l'insultais dans le commentaire, il venait te répondre. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Là où il est parti, c'est là, tu sais qu'il était ça. Et puis tu vas venir t'asseoir. Parce que tu vois qu'il y a personne qui va te répondre, en fait. Mais les gens vont te répondre. Parce que sa mort, là, il va passer par les gens, ils vont te répondre. Si tu n'as même pas arrêté aussi tes conseils, là, ça va s'annuler encore de voir. Il faut partir. Tu dis qu'il y a tes conseils, non? Il faut partir. Nous-mêmes, là, moi-même, là, Mariam, là, même, je vais me mobiliser, même si je n'ai pas beaucoup d'abonnements, là. Je vais dire à tous mes parents, je vais pouder partout. Ne partez pas dans le conseil de l'homme, même si vous avez payé ces titres. Ne partez pas. Parce que celui qui fait ça, il a un mauvais sens. On pensait que la dame, la Lolo Beauté, n'avait pas raison. C'est déjà, elle avait raison. C'est un sorcier, mon frère. Il faut arrêter ça. À un moment donné, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Tu as pensé à sa famille, tu as pensé à tes amis. Bon et à Kevin, il est mort. Il est mort de paix. Parce que quand la femme arrive là, on ne sait pas. On dit anniversaire là-bas, on a pris photo. Il y avait tout ce qui était là. Mais à un moment. Bonjour, Yaka. Moi, je dis, il faut continuer. Quand quelqu'un est en train de parler, là, arrêtez d'interrompre les gens. Hein. Arrêtez d'interrompre. Bonjour, là, vous allez dire bonjour là après. Quand ce sera votre tour de parler, là, vous allez saluer. Quelqu'un est en train de parler, vous ouvrez vos micros, puis il y a du bruit comme ça. Bonjour, bonjour, c'est pourquoi. Laissez la personne finir. C'est irrespectueux. Vas-y, ma chérie. Ah. Mariam est là. Ah. Vous coupez parole dans la bouche des gens inutilement, on dirait que chose. Quand tu viens trouver quelqu'un en train de parler, puis toi tu veux prendre parole devant la personne, c'est pas normal. C'est comme si ce que la personne disait n'avait pas de sens. La go choc. Ici, là, chacun son tour, hein. On prend pas la parole n'importe comment, c'est pas au marché gourou. La go choc. Est-ce que la go choc? Ok, fin de. Oui, bonjour. Ah, ok, là, nous sommes ouverts ton métro. Donc, fin de participer. Là, quand tu vas finir, tu vas prendre la parole. Je laisse une autre personne parler. Oui, la gauche est là. J'ai envoyé l'invitation. Comment? Est-ce que la gauche est là? Moi, c'est fin de drépanocytose. Ok, vas-y, fin de drépanocytose, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Bah, écoutez, je suis ravie de rejoindre votre panel. On va dire que je n'ai pas. C'est mon deuxième panel de la journée, mais ce n'est pas le même sujet. En fait, j'ai vu juste l'image du jeune homme où c'est écrit autopsie ou quoi. Ou pas. Et du coup, honnêtement, moi, je ne le connais pas, hein. J'ai pu, c'est parce que l'annonce de sa mort a sorti une phrase et je suis allée m'intéresser à lui. Du coup, j'ai téléchargé un peu tout ce qu'il faisait. Et comme vous êtes en train de le dire, effectivement, il est très drôle et c'est vraiment très désolant. Donc, c'était pour répondre à la question que vous avez posée, autopsie ou pas. Parce que, au vu de ce qui a été dit, qu'il serait décédé, enfin, qu'il aurait eu de la drépanocytose, et de la, comment on appelle ça, de la tuberculose osseuse. Bon, je me suis dit, c'est vrai qu'en ce moment, c'est tellement chaud, les gens sont déjà meurtris, et que, bon, bah, une fois apaisés, et puis tranquillement, bon, les gens allaient en parler. Mais vu que je voyais qu'on en parlait de façon récurrente dans les réseaux, qu'il a été, un membre de sa famille même a intervenu, je crois, si c'est une tante, ou voilà, signifiant que, et il serait rentré à la PISAM, et que bon bah la conclusion hein, de son état, c'était drépanocytose et une infection, voilà, enfin une tuberculose. Bon, je me suis dit, ça se trouve que dans l'émotion, elle a sorti cela.
Bon, mais comme ça se dit, on parle d'empoisonnement, d'empoisonnement. Je finis par dire que, bon, étant donné que moi-même, je suis dans la drépanocytose, pas que je suis drépanocytaire, mais je m'occupe des drépanocytaires, en fait, je traite, je soigne les drépanocytaires. Donc, j'ai trouvé un peu que c'était un peu une déduction là, qui était un peu très extrapolée, à mon sens, hein, et que par rapport aux personnes qui pouvaient être avec ses amis, en train de faire un anniversaire, je pensais que c'est, enfin, je trouvais que c'était très gros de lancer comme ça une accusation, je pense, hein, une accusation d'empoisonnement dans un lot de jeunes qui ont encore de la vie devant eux et à qui on va mettre comme ça un spectre d'empoisonneurs potétiques hein, qui se promenaient dans l'air. Or que quand on connaît la drépanocytose, je me dis, bon ben, ou les parents, ils ne se connaissent pas la drépanocytose, ou alors le médecin qu'ils ont parcouru ne savait pas peut-être qu'effectivement il avait la drépanocytose ou non pas les différentes complications dues à la drépanocytose. Bon, maintenant, au point où elle part et puis qu'elle l'annonce sur, dans son message que la PISAM a dit que c'est, comment on appelle ça, la tuberculose osseuse et l'empoisonnement. Donc, j'ai même téléchargé un peu son truc pour écouter ça en boucle. Donc, en fait, c'est aussi une accusation. Voilà, on accuse qu'il y a d'autres qui ont été empoisonnés, qui sont des empoisonneurs, et on accuse maintenant qu'une grande clinique informe que bon bah c'est la conclusion, c'est le poison et la drépanocytose. Enfin, le poison et comment on appelle ça, oui, la drépanocytose. Moi, oui. Est-ce que vous comprenez? Du coup, moi, je suis allé comme pas comprendre. Ce que vous dites, on ne peut pas comprendre parce que nous, on comprend même. C'est-à-dire que ce que vous dites là-même, ça fait fâcher. C'est vrai? Oui, ça, oui, je suis là, je suis en train de bouillir comme ça, il reste un peu, je vais m'éclater. Parce que je sais pas où vous voulez en venir, en fait. Allez-y droit au but, oui. Madame. Non, mais pour aller droit au but, il faut que je vous parle un peu de la genèse. Sinon, je pouvais aller droit la genèse, là, on sait ça. Nous, on sait, on est là et puis on sait, tout le monde sait de tout ce que vous avez dit là, on est au courant. Qu'est-ce que vous voulez déduire? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi? Pourquoi vous êtes monté? Ah, désolé, hein. Je vous dérange. Excusez-moi, je vais me déconnecter. Voilà. Merci à vous. Non. Bonne journée. Attends, moi. C'est quoi? C'est quoi? You know, you, yeah. Oh, c'est énervant, hein. Judux. Bonjour, Yaka. Bonjour. Excuse-moi tout à l'heure si j'ai commencé par dire bonjour parce que c'est depuis hier sur quand tu étais sur le panel de Aya que j'ai cherché à monter, j'ai pas eu. Ça me boue tellement. Moi, j'ai jamais Marcel, je n'ai jamais vu Marcel, je ne suis pas ivoirien d'abord. C'est vrai, je vais en Côte d'Ivoire, mais façon mes enfants aiment Marcel. Les enfants aiment rigoler quand ils sont pas allés à l'école sur leur tablette, sur la connexion. Quand ils vont sur, mes enfants vont sur la télé, connexion, c'est toujours sur Dan Marcel. Maman Dodo est en train de rigoler, c'est tout. De toute façon, mes filles sont en train de déprimer, en train de pleurer depuis 3 jours. Tu vois, crois que c'est un membre de leur famille. Moi, je suis tellement abattu que je dis, mais un talent comme ça. Mais si j'ai cherché à avoir le panel, je voulais m'adresser à Tiesco le Sultan. La jalousie, là, ça se manifeste par, ça se manifeste dans tous les sens. Il est jaloux du petit. Parce que le talent que le petit a, il n'en a pas. Parfois, il sera jaloux toute sa vie, alors. Il est jaloux de tout le monde. En tout cas, c'est incomparable. Ce qu'il a cherché, ce qu'il cherche en sautant au ciel, en passant dans tous les, sur panel par panel, et en partout, là. Il fait la musique, tout ça, la visibilité, la notoriété, là, c'est Dieu qui donne. Pour l'enfant, là, on appelle ça Dieu donné. Et s'il meurt, là, il va mourir avec, il ne va pas laisser à Tiesco le Sultan. En tout cas. La deuxième chose, il a son concert. Moi, je vais lui conseiller, tant que le petit, avec ce qu'il vient de faire, tant que le petit n'a pas été enseveli, et les cœurs de, c'est-à-dire, le cœur des gens ne sont pas rabattus, qu'il ne fasse pas son concert, hein. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. La personne ne va aller. Moi, je suis béninois. S'il ose, avec ce qu'il vient de faire, je mets tout le monde à témoin. Je lance le défi. Il n'a qu'à chercher à voir mon compte. Là, il saura nous sommes tous venus de l'Afrique de l'Ouest. S'il est gentil, s'il est intelligent, là, je parle, si vous il faut enregistrer.
S'il est intelligent, là, il n'a qu'à bannir, c'est-à-dire il n'a qu'à ajourner son conseil. Je ne lui dis pas de ne pas faire son conseil. Mais tant que le petit ne sera pas enseveli, le jour où il va vouloir monter sur scène, c'est Abel qui va le piquer. Vous en avez oui. C'est Abel. Je répète, que s'il est intelligent, là, avec ce qu'il vient de faire, là, de toute façon, ça me brûle, ça brûle tout le monde. Mon frère, tu es béninois. Je suis d'origine béninoise. C'est gâté. Tiens, ce que tu as entendu, non? On va envoyer, comment on appelle ça? Cargo d'abeilles derrière toi là-bas. Abeilles, comment on appelle ça? Armée d'abeilles. Ils vont débarquer sur le podium là-bas, là, te mélanger. Tu vois, l'île. Et pendant ce temps-là, moi, j'appelle la pluie. Hein, parce que moi, j'ai appelé déjà mon oncle ce matin, depuis mon village. Je lui ai dit. Je lui ai donné la date de ton concert pour ne même pas te faire de la pub, je n'ai pas dit la date de pub. Je lui ai donné toutes les informations. Ultimatum qu'on lui donne à tes solliciteurs, je le dis trois fois. Il n'a même pas les excuses. S'il fait un poste d'excuses là, c'est pas bien. Il va ajourner son conseil. Je reporte mon conseil en mémoire de Dan Marcel. C'est les acquis, ça. Sinon, on va live. Faut envoyer Ahmed Abeille derrière. Moi, je cueille feuille là. Quand je cueille feuille, je donne à mouton, on n'a qu'à refuser. C'est clair. Je répète. Même s'il fait un poste pour s'excuser, ça ne va pas résoudre le problème. Je reporte mon conseil à une date ultérieure. Peut-être le lendemain. D'enterrement du petit. Sinon, ce jour-là, les abeilles seront dans tous les coups. En tout cas, de toutes les façons. Il n'a qu'à enregistrer mon numéro, il n'a qu'à enregistrer mon poste. J'en ai fini. On peut être méchant jusqu'à ce point. Oui, on va commencer. Un petit talent, les trucs planétaires. Internet, là, tu peux Internet, là, tout le monde va voir les gens en France ici. Va voir les gens dans les communes, que ça soit sénégalais. Mais partout, j'ai appelé un ami au Maroc aujourd'hui. J'ai dit, ça va, comment ça se passe, tout ça. Il dit, mais je suis triste. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu peux pas? Il dit, maman, d'autre est décédé. Je dis, c'est ton parent. Il dit, laisse tomber. C'est pas mon parent, mais ce qu'il a été, c'est fort. Oui. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être ton parent pour avoir mal de son décès? Je t'ai dit, ce que tu cherches depuis là, tu t'es allié à Lolo Beauté. Lolo Beauté voulait te donner visibilité. Tu n'as pas eu. On est ici il n'y a même pas deux mois. Tu t'es allié, c'est tu panel. Tu as dit, Abba les Oubi. Il n'y a pas Oubi dans ta famille. Lui-même, c'est un Oubi refoulé. Faut le laisser. Moi, ça regarde que lui. Mais se moquer d'une dépouille, quelqu'un qui t'a rien fait, malgré tout ce qu'on dit sur le petit, dans les commentaires, mais est-ce que vous l'avez déjà vu te répondre, répliquer ou bien faire allusion à quelque chose ici, pas quelques vidéos? Mais lui, il sait qu'il est là pour quelque chose, il sait bien faire ces choses. Et ça lui fait vivre. Vous savez combien de personnes son humour a nourri? Vous savez si c'est lui qui c'est avec ça qu'il fait vivre sa famille? Les gens sont en détresse, les gens sont en train de pleurer, petits et garçons, à travers le monde, mais toi, tu te lèves gaillardement pour dire que tu t'en fous. Et on peut être méchant, jaloux jusqu'à ce point. Si tu es garçon, il faut oser faire ton conseil. Tu t'adaptes, tant que le petit n'est pas été enseveli, et tu vas voir. Bonne journée. Merci, bonne journée. La pluie sera appelée le jour de son conseil. Il va pleuvoir ce jour-là. Si le stade d'engrais, comme vous savez, il n'a jamais plu en Côte d'Ivoire. Il va pleuvoir, le tonnerre va gronder. Tous les appareils qui seront branchés seront défectueux. Parce que la pluie va griller tous les amplis là-bas d'abord pour commencer. Voilà. Les amplis seront grillés. Les micros seront grillés. Les enceintes seront grillées. Tout sera grillé. Si en plus de ça, les Béninois ont envoyé Abeille là-bas aussi, en constat que c'est mélangé pour toi. Tu vois, l'île, ta taille, on dirait le dernier des Dalton là. For diet menu. Bonjour, mon honorable. Bonjour, mon amour. Mon grand doigt, Ibrahima Robert, bonjour. Ça, il est très bien de son portable. On dit quoi, l'infalsifiable, ça va? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, je viens de rentrer à la maison, je vois que vraiment la photo de Dan Marcel avec son beau sourire. Ah.
Mais l'honorable, qu'est-ce qui se passe au fait avec lui? Parce que je ne comprends plus rien. Ah, on lui a demandé à ses parents si on doit faire une autopsie. Aux gens, si on doit faire une autopsie. Parce qu'on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Un coup, on dit c'est empoisonnement. Un coup, on dit qu'il était malade. Nous, on ne sait plus rien. Mais ses parents n'ont pas encore fait de sortie officielle. Ils n'ont rien dit encore. Donc, c'est ça même qui intrigue les gens. Parce qu'on ne comprend pas. Les gens sont là, ils sont dans leur peine. Personne ne sort pour leur dire quelque chose, pour apaiser un peu, pour qu'ils puissent digérer un peu le mal qu'ils ont. C'est pas cool. Hein? Faut qu'on leur dise, faut qu'on nous dise quelque chose. C'est pas bien. On est là dans notre douleur. Il y a un nain de jardin qui se promène dans les jardins des gens pour voler escargot, pour raconter sa merde. Oh oui, je ne peux pas pleurer. Un oubi. Toi-même, on te regarde par terre. On dirait une crotte de constipation. Toi-même, tu ressembles à tout et n'importe quoi à terre. C'est toi qui as ouvert ta grande gueule de chien baveux pour parler de quoi? Hein? Un malade mental comme toi. Chien errant, là. Voilà un chien qui n'a jamais eu de succès dans sa vie. Chien poueux. Qui se promène avec le malheur des gens sur sa tête. Oui, je ne peux pas pleurer, je ne peux pas, ça a quoi à voir? Quelqu'un a décidé, tu sais quoi? Son orientation sexuelle te regarde en quoi? C'est écœurant à la fin. Moi, ça commence à me révolter, cette histoire-là. Ça commence sincèrement à me révolter. Et je vais me, tous ceux qui vont s'en prendre à qui que ce soit par rapport à son orientation sexuelle désormais, sur la toile, là, la personne n'a qu'à attacher sa ceinture parce qu'elle aura affaire à moi. Parce que moi-même, on me saoule avec ça matin, midi, soir. Moi-même, on m'agace avec ça. C'est quoi? Toi, tu t'en as couché avec plusieurs filles, là. Quelqu'un te dit ce que tu dois faire de ta sexualité. Toi, tu es mieux que qui? Toi-même, là, tu couches avec plusieurs filles. Tu es mieux qu'un oubi quelque part. Quelqu'un t'a déjà venu te demander de venir coucher avec lui. Mais tu fermes ta gueule et puis vis ta vie. Si d'après toi tu es hétéro, mais ça n'engage que toi. L'enfant est décédé, on pleure, chose que oui, et on peut pas pleurer oubi. Batarion, là, qui t'a... Alexa, coupe la musique là-bas. Oh. Parce que moi, quelque chose ou bien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. 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 Salut quoi, t'as ma grande sœur, c'est toi, Tony. Bonsoir, mon vieux. Ah, c'est pour ça que j'ai eu peur. Ouais, non, y'a rien. Ah, princesse, c'est un joli village comme ça. J'entends pour toi, avec pomme d'adam. C'est pourquoi? Donc, déjà, on vient dire Yako à la famille de. Maman des dodo, ça va nous toucher nous tous. Hein. On t'apporte, il y a le live est signalé, on t'apporte. Maintenant, le fameux Tiesco là, moi, c'est pas pourquoi, c'est pas la peine de s'attarder sur son sujet. Puis lui là, même s'il n'avait pas dit ça là, personne n'allait partir à son conseil. Qui le connaît? Vraiment. Personne n'allait partir à son conseil. Sa conseil n'allait pas partir, il va parler de la couture. Personne n'allait partir même. Il chante quoi? Il chante quoi lui là? Aïe. Vraiment. Oh, Tiesco chante quoi? Depuis nous le connaît, c'est tout ce qui s'est fait. Hein? Depuis nous on le connaît, c'est ça qu'il s'est fait. Buzz, insulter les gens, on fait pas là, c'est la bêtise qu'on s'est fait, c'est tout. C'est tout. Donc nous on dit, il y a quoi la famille de dans Marcel, c'est tout. Faudrait pas s'attarder sur le sujet de tout. Qu'est-ce que c'est personne même, pas vrai. Moi il faut continuer à l'ambiancer, nous on écoute, on est fin. Okay. L'ambiancer sur moi. Bonjour tout le monde. Bonjour, ambassadrice. Oui, je suis l'une de vos... fanatique. D'accord. J'ai vu l'honorable Yaka. Elle dit, je vais monter pour écouter un peu. Concernant la mort de Don Marcel, franchement, je pense que nous, les Ivoiriens, d'abord, premièrement, nous sommes touchés parce que il a laissé des traces vraiment intéressantes de son vivant. Il nous a donné il nous a donné de l'ambiance quand on était triste. Hier, j'ai regardé plusieurs de ses vidéos et j'étais étonnée de voir que j'avais des larmes qui coulaient parce que nous sommes en train de perdre des valeurs. Nous sommes en train de perdre des valeurs. Et malheureusement, je disais à mon fils tantôt, mais est-ce que si Dieu même nous demandait de ramener peut-être Arafat et Don Marcel, on allait donner chose. Bébé sans demande avec chose. Maintenant, j'ai confirmé. Mon fils a commencé à rire. En fait, c'est la douleur qui rend folle, en fait. La douleur nous fait penser à... L'ambassadrice, oui. Descends, tu allais boire de l'eau, tu reviens après. Hein? Descends. Allez, faut pas venir chercher autre affaire pour te prendre ma tête. Oui, non, je... Ah, là, tu connais pas bien, c'est bien. Aïe.
Bonjour. On peut faire ça. Bonjour. Yaka, je peux faire une motion rapidement. Alors, Kaina. C'est pas bonjour, je voulais le nom, Yaka. Oui, le nom, Yaka. Ma chérie, YK, il faut te muter, tu viens d'arriver. Je peux faire une motion rapide, Yaka. Butterfly, vas-y. Je n'ai pas compris, tes mots là m'ont muté en bas là-bas. Je ne comprends pas, je n'ai rien dit de mal. Toi-même, tu sais, je ne parle pas, je respecte, je suis toujours dans le respect. Peut-être qu'ils ont fait ça sans faire exprès. Peut-être qu'ils ont fait sans faire exprès. Moi, je vais me tuer. Je vais passer souvent la tête, tu es en bas. Là, tu comprends ça. Pardon, il faut leur dire, non, quand me démuter. La YK. Si tu ne démutes pas, là, je dis ton corps dehors. Hein. Les modos, pardonnez, démutez-moi. Bonjour. C'est bon, je t'ai démuté. Je t'ai démuté. Bonjour. Mais YK, là, tu sais que je ne t'en pas. Bonjour, YK. YK, bonjour. J'allais juste donner mon idée. Moi, je suis de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Mais quand tu montes sur un panel, et puis tu trouves les gens, ils sont téléspectateurs, quoi. Hein? C'est un artiste que tous oui, les Africains aimaient bien. Est-ce que tu écoutes l'autre du panel actuellement? Alors, on dirait qu'elle a un problème de réseau parce que je vois ses balles à s'afficher. Elle a fait des années. Elle a qu'à aller corriger sa connexion. Elle va revenir parce que je ne peux pas me rendre fou. Dash Kelly. Oui, bonjour Yaka. Bonjour, je suis Pacifia. Oui, bonjour ma Dash. Comment tu vas? Ça va bien. Ah, bien merci. La mort de Marcel, là, vraiment. Moi-même, le matin, là, encore, même, là, il a fait un peu encore. Comment un jeune comme ça, c'est-à-dire que dans la fleur de l'âge, et la façon dont il vivait, on avait l'impression que, au fait, il vivait chaque jour comme le dernier. Quand tu regardes ses vidéos, vraiment. J'ai l'impression que, il savait. Et moi, c'est quand tu as mis une vidéo sur Facebook où tu as dit quand on regarde son visage, mm-hmm. on sait qu'il était malade. Donc, mm-hmm. les spéculations, les gens aiment tellement spéculer, accuser les gens et autres. Ils n'ont qu'à arrêter avec cette histoire de poison. Le jeune, il était malade. Il a voulu garder sa maladie un secret. Il est parti avec son secret. Donc, les gens n'ont qu'à arrêter de spéculer. Ils n'ont qu'à arrêter d'accuser aussi ses amis qui sont vraiment dans la douleur. En Afrique, là, on ne dit pas normalement. Quand on dit net, il faut qu'on commence à raconter tout et n'importe quoi. Le jeune est parti très jeune, 94, et puis aujourd'hui, il a quel âge? Il avait 30 ans seulement. 30 ans. 94, moi, ça fait trop mal. Il dit, quand je regarde ces vidéos, mais j'ai dit, mais attends, c'est sérieux? Donc, le jeune est parti comme ça. Vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sortent, ils racontent tout et n'importe quoi. Quand on ne connaît pas la vie des gens, il ne faut pas qu'on dise des choses qui ne sont pas vraies. On ne connaît pas l'intimité de ce jeune. Personne ne sait sa vie, si ce n'est que ses poches. Donc, c'est pas parce qu'une personne aussi est efféminée que vous allez venir raconter aussi que non, c'est parce qu'il était comme ça qu'il est parti. Je ne peux pas pleurer pour quelqu'un qui est comme ça. Est-ce que tu connaissais sa vie? Tu ne connais pas sa vie. Il ne faut pas dire ça. Et puis dans la vie, là, aujourd'hui, là même, là, il y a plein de choses qui se passent pour nous démontrer qu'on ne se moque pas des gens. On a vu des gens rire, des gens aujourd'hui se sont retrouvés en prison. Donc, quelqu'un qui est couché aujourd'hui dans le silence de la mort, tu pleures avec lui. Tu vas venir faire un poste. Vilain truc comme ça pour mettre là où les parents vont voir, ils seront encore affligés. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui là, qui montrent que, au fait, Dieu aujourd'hui là, il ne dit pas. Ah, maintenant là, le karma là, c'est de là à là. Hein. Non, c'est de là à là. C'est-à-dire que tu finis de parler. C'est de là à là. C'est-à-dire que dès que tu dis, ah, c'est bien pour toi, ce qui t'arrive, c'est bien. Dès que tu prends, tu donnes d'honnête, ça t'arrive aussi. Donc là, le jeune là, on ne connaît pas sa vie. Parce que tout simplement, il est efféminé. On lui colle des étiquettes. On lui a collé des étiquettes. On peut être efféminé et puis ne pas être ce que vous pensez. Mais chacun mène sa vie comme il a dit. Beaucoup n'ont pas compris. Oui, on peut être efféminé. Tu entends des gens raconter tout et n'importe quoi. Mais pour nous qui les suivons, on sait que c'est des vrais djendus qui aiment vraiment des femmes. Qui ne sont même pas ce que les gens disent d'eux. Tu vois. Donc vraiment. Les gens n'ont pas compris qu'un gars qui est efféminé là. Une femme a facilité à se mettre nue devant un gars qui est féminin, quoi, sa copine. Alors que c'est là qu'elle fait son sel. Au moins, elle va se rendre compte qu'il a monté en l'air. Et puis, il a enceinté même. Il a enceinté fini.
Et puis un homme qui a un gars qui d'après lui, il est hétéro, là, une femme qui ne se met pas nue devant lui facilement, elle va jamais lui dire viens pour mader mon dos, elle va jamais se laver à lui. Alors que quand il est efféminé là, c'est trompé Gaou. Il rentre derrière lui dans la rue, vous se lavez, vous ressortez d'une manière. Ah, c'est ça. Hein. Moi, je connais un gars qui est très efféminé ici. Quand sa femme accouche là, c'est lui qui lave les enfants. Il met enfant là sur pied. Comme il lave les pieds, il jague ça, il prépare. Sa femme n'a pas de. Pourtant, il est marié légalement. Il a au moins, je crois, 3 enfants. Quand tu le vois après, il jague ses enfants, il met sur Facebook. Il prépare, il fait tout. Être marié à quelqu'un qui est efféminé, c'est, la femme, elle a tout eu en fait. Donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un est féminin, il est chose. Donc, vraiment, on n'a qu'à arrêter de juger les gens. Parce que quand même, c'est bien. Vraiment, c'est déjà pas dit que c'est une chose. Il est parti trop jeune. Il était trop jeune, franchement. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est une vie inachevée, en fait. Vraiment. Une vie inachevée. Vraiment. Que Dieu nous console vraiment. Et vraiment, il y a quoi à ses parents? Il y a quoi vraiment à ses parents? Parce que perdre un enfant, c'est pas facile. Moi, j'en ai perdu 2. Je sais de quoi il s'agit. Tu as que. Deux, en même temps, je sais de quoi il s'agit. Donc, c'est difficile. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Ok. La grande âme. Salut, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Bon, pour dire que concernant ce que M. Tiesco est en train de dire sur la toile là-bas, là, je pense que pour son âge et puis pour son titre, là, il devait réfléchir beaucoup maintenant avant de parler. Parce que c'est un personnage public. Voilà, il devait arrêter d'être dans le jugement, juger l'orientation sexuelle des autres. Ça, c'est, quand voilà. C'est quand tu n'as pas un masque. Quand tu arrives, tu dis ton cerveau pour enseigner un masque. Là, est-ce que tu peux réfléchir? Non, mais vraiment, vraiment. Tout le monde le suit. Et on trouve qu'à là, encore, il est en train de chercher Buzz. Quelqu'un est décédé, tout le monde est attristé là. Toi, tu viens dire, non, okay, voilà, il est comme ci, il est comme ça. On n'a pas besoin de ça. Si tu sais que tu ne peux pas compatir au décès du gars, là, il faut te taire. Quand tu sais que ce que tu vas dire là n'a pas plus de valeur que le silence, là, tu te tais totalement. Voilà. Parce que vraiment, on est en train d'avancer, les gens sont en train de mûrir. La Côte d'Ivoire même est en train d'accepter beaucoup de choses. Je pense qu'on n'est plus au stade du jugement, quoi. Chacun est libre de faire de sa sexualité ce qu'il veut. Chacun est libre. Voilà. Donc, arrêtons d'être dans le jugement. Aujourd'hui, il a décidé. C'est un jeune qui n'a pas exposé sa sexualité. Qui sait avec qui Marcel sortait? Si c'est femme ou si c'est chemise ou si c'est garçon, personne ne sait avec qui Marcel sortait. Tout ce que nous on sait de Marcel, c'est que c'est un jeune qui était vraiment débonnaire, qui nous faisait rigoler. Excusez-moi, où il pleut. Okay. C'est un jeune qui était débonnaire, mais il était très drôle. Tout ce que nous on retient de lui. Maintenant, toi, à venir marquer l'accent sur sa sexualité, là, vraiment, on n'en a pas besoin. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Bon, c'est ce que j'avais à dire. C'est clair. Merci. La indienne. L'indienne. Oui, bonjour. C'est une soeur camerounaise. Je montais donner un peu mon avis par rapport au sujet. Bonjour à tout le monde. Bonjour, on vous écoute. Hein. Ok. Non, c'était juste de dire que nous, Africains, on a celle façon drôle de pleurer nos morts. C'est que à chaque fois que quelqu'un décède, au lieu que ça nous serve un peu de leçon, et on se remet un peu en question, parce qu'on pourra se dire, mais Madame Marcel est partie, il était jovial, à fleur de l'âge et tout, donc nous aussi, ça peut nous arriver. À tout moment, on peut partir, mais non, on est là pour finir, pour chercher comment il est mort, pourquoi il est mort, depuis quand la sexualité de quelqu'un peut justifier la mort. C'est vraiment déplorable cette façon de pour nous Africains, parce que c'est chez nous les Africains en général qu'on banalise tellement la mort. Donc et puis sa famille, comment quelqu'un est décédé mais